Billy Badger, troisième lap probablement de la journée. Dedans, mais j'ai plus massif pour me guider parce que c'est très rapide. Mais je commence à avoir une petite idée quoi faire puis comment le faire. Ça de même, j'aurais dû aller à gauche. Ça, il y a correct. Ah, la ligne de marde dans l'eau. Hey. Je sais pas si il y avait un bris mécanique ou si c'est le pire vêtement. Je ne le ferai pas en innocent, mais je vais essayer de faire mon temps pas pire de la journée. Maintenant que je la connais. Probablement une de mes deux wow de la montagne. Mes deux plus wow en tout cas. Trouver ça, hein? Ouais, c'est ça. Beaucoup de choses qui peuvent mal virer rapidement dans cette piste-là. Beaucoup de petits switchbacks. Ok, ligne à gauche, ça c'était bon. Si on fait attention. Allez, on mange la... Alors ça va bien. Super belle piste avec un esti flow pour vrai. Mais c'est avec du beau technique qui arrête pas. Fait que tu prends de la vitesse rapidement. Tu gardes un œil pour les roches, les racines. Ah, la ligne à gauche, je le savais cette fois-là, c'est-tu. Ok. C'est un temps intéressant. Je sais pas si Mathieu est proche, j'essaie pas de scraper son temps, ça. Oh, 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 ok. Monter sans crête est une très mauvaise idée. Ah, définitivement un des très beaux laps de la journée. Attention les racines qui glissent. Ça ici à gauche. Oh, je suis en train de creuser sur mon guidon. Et voilà, c'était la Lone Star. C'est vraiment un très beau lap aujourd'hui. Un de mes plus beaux, oh my god. Émotion rock. Pour le fun, c'est quoi les bacs qu'on voit le plus ça, vous pensez? Rocky Mountain de Vinci? Non. Transition, Santa Cruz. Est-ce qu'on a envoyé ça à la porte à l'heure? Ça aurait été un petit bout pour peut-être que tu puisses zioter la Fort Hill. On va retourner un peu dans le Black Lone Star. Ok. I understand. Ok. On va commencer à tester le corps un peu pour de vrai. Ok, ok, pas trop vite. C'est vrai, la colle. Ah, comment ça, je suis magané de même. C'est-tu ma run d'offering il y a deux jours? Ouais, je suis allé rouler en pire 47 en offering. Je pense que j'ai un petit peu trop poussé. Ah, putain. Fait que Skills with Fields gap ça au complet. T'as vu son vidéo? Il claire le bois au complet. Il fait un run-in, deux run-in. Ok, gap, puis il réussit à atterrir. Tu sais, ça, ça va là. Mais le gap dirt to dirt. Tantôt, j'en ferai un petit bout. On est encore dans le petit. Je passerai à voir tantôt. Ok. Fait que ça va être pas mal le plus rough que je vais faire aujourd'hui si je veux survivre. Really? Wow.
Fais-tu ça, toi? Je pense pas que personne fait ça. Ma date, moi, je le ferais, là. J'ai jamais vu personne faire ça. Veux-tu voir quelqu'un faire ça? Ça, ça va, ça, ça va, ça, ça va, ça, ça va. Ça, ça va moins bien. Non. Moi, ça, ça, ça irait. Ouais, en passant de même là. Ouais. Mais, c'est un ami là? Non, 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 non. Non, non. On plante avec eux. Bon. Ouais, fait que là, je vais ralentir un niveau parce que là, ma run de offering m'a beaucoup sensibilisé la colonne. Puis, travaille demain si je veux pas te blesser au travail, puis si je veux pas te blesser pour belle neige, on va se garder une gêne. Ok. Ah oui, c'est elle qu'on avait pas refait. Ok. Ah, c'est ça, c'est elle que j'aurais aimé. Ah oui! Highline, ok. Ouais, pas rien. Piège vraiment. Foutu belle descente pour vrai. C'était le single track un peu plus. Vraiment ça. Puis on garde une bonne vitesse de croisière quand même. J'avais pas vu mon pied en mordisant. Oh, that's cool. Very cool, very cool. Et c'était très right. Ça, ça, ça. Ok, un mieux, c'est pas si peu. Passez ton dentier, si tu veux. Ah oui. Ah oui. Après la cabane à bois, tu vas à gauche. Tourne le cliff, ok, noir. Fait une petite nouvelle que je n'ai pas encore faite, que je vais faire tout seul. Mathieu avait des comptes avec lui qu'une certaine piste. Ma ligne est mauvaise. What? Ok, j'étais pas prêt. Mais vas-y, il y a une piste dans la montagne. C'est-à-dire que... Le mécano de Boréal là, est forbidden. Il y a une piste, c'est comme okay, c'est une noire. Là. Elle devrait être double noire. Je ne sais pas si c'est elle. Ok, non, c'est pas double noire, mais c'est. C'est noir basé. Hein, roche stratifiée, puis racine. Wet. Les champs de roche, toi. Mais où suis-je?
fuck was that shit? C'est du gros noir, ça! Hein? Au début, t'es comme, hey, c'est hot! Puis là, t'arrives comme... les deux. Wow! Ah! On commence dans la Lone Star, on va aller faire la Juggernaut. Je crois notre première double noire de la journée. On roule les deux assez safe. Et puis, comme je vous dis, je me suis fatigué. Fait que pas de com dans Juggernaut, même pas d'essai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la roche stratifiée, ça c'est sûr, on a du loam sur ces roches stratifiées-là, qui peut être glissant. Oh, c'est une noire, c'est même pas une double noire. Ouais. Il était drette dans la piste, man. Hello, 1, 2, 3. C'est drette là que je suis arrivé. Ah ouais. Allô, maman Bambi. Bye bye. Ah, c'est un bien beau. Allez, beau Bambi. Ça fait des petits, là. Ouais. Okay. Low line. Fait qu'on est assez off camber ici. Oh, qu'il y a des places qui peuvent être traîtres. Ok, je comprends. Ok. Ah, maintenant la vitesse ça va, mais on voit qu'on est très off-camera, beaucoup de roches lousses. À vrai dire, juste des roches lousses. Prendre le lead un peu. Ça, quelque chose de lousse sur mon bike. C'est bizarre. J'ai l'air qui frotte, ça va, c'est normal. La ligne était à gauche. Hein? Okay. Je suis pas le seul à faire ça. Ok, on va descendre un peu de vitesse. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup de pédalage qui va se faire ici à part pour ce. Redonner un swing, ça ici, on va vers la gauche. Ouais, fait qu'une belle piste de contrôlage de freinage. Donc, une bonne noire. Je comparais pas ça au double noir du Mont-Saint-Anne. Beaucoup de mes comparatifs dans cette montagne-là ressemblent à la Tordue. C'est un petit peu le même genre de dénivelé. Mais on est dans... on est vraiment dans le plus steep. Tu sais... dès que t'es à flanc de montagne, tu te laisses aller, je veux dire, le bike prend de la vitesse tout de suite. Fait que, étant à run blind, les pneus, oh that's fucked. Ok, pas si mal. Je vais attendre mon guide. Mon guide. Je pense que mon guide reprend ses esprits. What about my guide? Ouais, je comprends. Elle est fun, hein? Oui, 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 oui. Contrôlage du freinage, là. Bah! Hop, hop, hop. Wow, c'est pour les hommes! Ou les femmes, excusez. On ne peut pas faire des commentaires sexistes, ce n'est pas vrai. Je commencerai pas à me faire ramasser pour ça. Mais ouais, on a beaucoup de... on vient d'avoir deux, ah! Trois formations rocheuses qui sont... écoute...
Pour une noire, c'est des options d'hommes. Ou de femmes qui sont bonnes. Et ça reste... Je commencerai pas à excuser mes expressions, mais je veux dire, ça reste une expression. Ouf. Et... Wow! Wow, wow, wow! Ok, ça va. Ok, on tombe dans l'eau, on tombe dans la section qui a moins bien séché. Fils d'homme. C'est toi qui recharge, fais ça top to bottom en 2 minutes 35. J'ai-tu fait cette section-là en 2 minutes 35? Je pense que si je l'ai fait plus là. Ben, tu pourras monter et l'essayer, tu vas faire comme, ok? Non, je crois, là. Et c'est un bout de tough, ça, là. Pas n'importe qui le pogne, là. Non. Ben. Alors, ça. Un train! Ah ouais, la ligne se travaille à gauche, nice! Il est pas allé vite, ça, probablement, mais pas moi! Wow! Plein de soleil, hein? Oh, y a plus la piste! Ah, il y a des affaires, tu peux pas savoir ce qui se passe l'autre bord, tu es blind. Ok, la plus dure de la journée. Ah, il y a des places noires. C'est ça, c'est double. Hein? Bon, Mathieu, un petit flat à réparer. On va aller essayer la back of the shack. Ben, on est dans le noir, on est dans le pas facile, puis on me disait que la piste avait beaucoup changé. Ça veut dire qu'il y a carrément une partie de la piste qui n'existe plus. Hein? Ok, je voyais un gars arrêté ici, je comprends pourquoi il a arrêté. Ok, un peu limite pour le dos, on va faire attention à ce qu'on fait. Ils ont comme pas de... Ils ont comme... Je veux pas dire pas de bonne classification. Mais tu sais, mettons... T'as 10 noirs. Ah. Pis t'es noirs, t'en as des assez faciles, pis t'en as des assez difficiles. Fait que c'est comme... Tout est noir ici. Où suis-je? Back of the fucking shack. Ok. Je suis là. Le flow de la piste, c'est pas évident. On prend ça. Ça. Ok, fait que t'es beaucoup sur cette roche-mer là. Pas mal tout le long. Hein, je pensais que c'était le nom de Bambi, Carlis. Ok, ah, c'est une courte section, mais pas facile. Ça, là, je suis en anglais ou je suis en français? The shit, ok. Fait que Matt a fait un flat, il va pas le réparer. Forcer en colon pour... Ok, ça fait que de mon côté, je vais aller faire une petite double noire qui s'appelle The Chest. Il m'a averti qu'elle pourrait être wet un peu. Je ne sais pas, ça va ressembler à quoi comme condition. Ça risque d'être la dernière big one que je vais faire aujourd'hui. Après ça, je pense qu'on va juste...
Je vais faire le petit jump line rapidement. Twizy chest. Ok, I see. Ok. Oh, quand même, hein? Quand même. Donc, allons-y intelligemment. J'ai pas envie de mourir. J'ose avec un gars qui a fait la Fort Hill, la grosse proline que j'aurais aimé vous montrer un petit peu plus, mais là, il y a comme pas bien de piste qui me donne accès à la voir sans carrément chimarron. Fait que. Ok. Oh. Fait qu'il dit, je l'ai faite une fois, elle est faite, puis j'ai pas tant envie de mourir, donc une fois que t'as fait, ou tu sais, je pense qu'il faut des zestifies de skills de jump, tu sais, pour être capable de linker cette grosse jump line là, tu sais, c'est la plus grosse piste de freeride à l'est des Rocheuses. Il paraît qu'il faut pas que tu roules en bas de 45 km/h pour sauter des sauts. Collègue youtuber, Yannick. C'est un excellent rider, il dit qu'il l'a fait, il dit « Il doit être armé dans cette piste-là, hein? » Puis Yannick est un excellent jumper, écoute, probablement plus que je le suis. Bon, concentration. Fait que là, on est dans le coin steep de la montagne, dans les trois doubles noirs, fait que Schist, Twizy, et il doit m'en manquer une. Fait que tantôt on est passé dans la Juggernaut qui est juste à côté. Donc, c'était une strava à gauche. Fait que c'est ça, beaucoup de galets, beaucoup de terre lousse, un peu de racines. Oh, ça aurait pu être glissant, ça. Ouais. Fait que cette piste-là, je pense qu'elle a été victime de la pluie des derniers jours. Ah, c'est un fond de ruisseau pour vrai. Je vous dirais pas que je déteste ça. J'adore ce que je fais là. J'adore ça. Ouais, c'est vraiment un lit de ruisseau. C'est une piste qui va avoir besoin d'un petit peu d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comme lui. Ok. Mais tu sais, double noir, mais Colin, c'est pas les doubles noirs qu'on a au Mont-Saint-Anne. C'est pas. C'est rien comme la 1837 tac-tac chômeuse inuque. Puis en tant que double noir, je la trouve pas ben plus difficile qu'exemple la Juggernaut qu'on a faite tantôt. Ouais, Juggernaut qui est noire. Noire, pis t'as au moins 3-4 formations rocheuses. Je suis comme, ouais, t'as peu, là. T'es senti du moins instable que ne tombe pas sur cette formation rocheuse, là. Oh, là, je vais laver du monde. Je vais rattraper du monde plutôt. Ça. Oh, regardez à gauche. Le lit de rivière. Petit double noir. Rien trop fou. Jusqu'à ici, probablement. Oh, fucking shit, JP. Ah. Non, j'ai pas besoin de dépasser. Ah. On arrive pas mal à la fin, je pense. Ok. Ouais, on arrive pas mal à la fin. On va pas glisser sur ça. Ah, that was cool. Ça fait guys, un immense merci d'avoir écouté. Ça va être la fin de cet épisode aux États-Unis à Thunder Mountain. C'était fucking cool. C'est le jib que je peux faire. C'est-tu légal faire ça? Est-ce que tu veux montagne? Ah, non, ça se fait pas bien. Ah, je pourrais pas. Bon, pas grave.
Bon, hey, ça va être la fin de cet épisode de Freeride Québec. Merci, guys. Un immense merci d'avoir écouté. C'était super le fun. On va faire ça de la chambre pour retourner à la maison. Et la semaine prochaine, on s'en va à Belle-Neige.